On fait plus de sorties journées que de croisières. Ah oui. Parce qu'on reste souvent à Brest parce que bateau appartient à la ville, donc ouais, il faut qu'on soit là un petit peu quand même. Et sinon, quand on rejoint des événements maritimes, on fait des croisières à l'année autour. Et on fait des croisières en Bretagne. Et on revient de 15 jours au Pays de Galles pour un salon maritime justement. On avait une croisière de 15 jours à l'aller, d'une semaine au retour. Donc on a profité pour faire les Scilly, la Corbeille anglaise, la côte nord-bretagne. Et là, après les fêtes maritimes, on repart en croisière, on va à Cherbourg, et ensuite on a 10 jours pour faire Cherbourg-Brest. Donc là, pareil, on va refaire la Corbeille anglaise et les Scilly. Donc de Wight jusqu'au Scilly, et on va passer. Et là, vous prenez combien en plus de... Ouais, là, on prend 12 personnes. À partir du moment où les gens dorment à bord, c'est 12 personnes. Ah. Et après, quand on est en sortie journée, c'est 25. Là, en ce moment, on ne faut que 24 parce que comme le rythme est très soutenu pendant les fêtes, on a pris un sixième, Pascal, sixième personne de l'équipage. Du coup, on est limité à 24 passagers. Ah oui. En fait, il y a une décoration ici à l'intérieur. Évidemment, le bateau n'était pas du tout comme ça à l'époque. Là, ça a été fait beaucoup plus de confort parce qu'on fait du short terre, parce qu'on accueille les passagers. Ah oui. Et sinon, le pont était beaucoup plus bas, enfin beaucoup, 60 mètres plus bas. Oui. Et le plancher était rehaussé, comme ça, il pouvait mettre la poule, la provision pour 70 personnes, parce qu'il pouvait y avoir jusqu'à 70 personnes. Ah oui, 70. Et du coup, ils avaient 1m30 de hauteur sous barreau. C'était vraiment moins confortable. Mmh. Et du coup, ça a été décoré dans le style des cabines des officiers du début du 19e. C'est beau, ouais. Ah ouais, c'est très beau dedans. Et si j'aurais besoin de une ou deux personnes, ça va être très simple. Voilà, une deuxième personne, ça va pas être difficile du tout, il faut juste relâcher. Il y a deux personnes ici, on va venir à Passe-les-Huniers, vous pouvez tirer dessus. Vous voyez, c'est pour réorienter ces deux points carrés là qui sont là. Et pareil, quand la voile va passer, il faut faire attention, la voile, la grande voile qui est au milieu, là, va passer comme ça. On va pas rester là, mesdames. Oui, c'est ce que j'ai dit. Allez plutôt vers l'arrière, vous serez mieux. Hop.